Salut à tous et Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour un tout nouveau glitch hors solo. Donc en tout cas avant ça un grand merci à vous tous pour les 22 200 abonnés, c'est juste énorme. Go Rush, les 22 300 abonnés, je compte sur vous la team. Donc pour pouvoir commencer ce petit glitch, vous devrez avoir besoin d'avoir la Maze Bank Arena comme moi, d'accord? Et à l'intérieur, vous devrez avoir dans le niveau de l'atelier une Elegy RH8 comme moi, d'accord? Donc grâce au glitch, vous pourrez revendre la Elegy RH8 à plus de 900 000 $. C'est juste énorme, ok? Et vous devrez aussi avoir donc un RC Bantito, ok? Donc modé ou pas modé, on s'en fiche. Et vous devrez aussi avoir votre point d'apparition aléatoire. Donc on fait le pavé tactile, on va dans apparition et vous mettez apparition aléatoire comme moi, ok? Vous devez aussi avoir votre mode de visée en visée libre, ok? Très important. Et vous devez aussi être en session sur invitation, d'accord? Donc une fois tout ceci préparé, vous êtes prêts? On sait que c'est parti, let's go! Allez hop, donc là pour commencer, on va vers le RC Bantito, d'accord? On fait la flèche droite pour le modifier et on clique sur un onglet, donc par exemple soit carrosserie, soit explosif, peu importe. Donc moi je clique sur carrosserie et après on fait le bouton PS, on va dans les paramètres réseau et puis donc là on va décocher la case se connecter à internet et on fait deux fois le bouton PS et on revient sur notre jeu. Donc là vous aurez un message d'alerte, donc là vous confirmez le message d'alerte et on attend 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, on fait deux fois le bouton PS et on recoche la case se connecter à Internet. Donc là, après, vous allez spawn en mode histoire et après, on fait le bouton Start en ligne et on va en session sur invitation. Donc là, après, vous allez spawn donc dans un endroit aléatoire car votre point d'apparition, c'est apparition aléatoire. Ok. Et après, on va se diriger vers la Maze Bank Arena. Donc soit on va avec un véhicule personnel et on va à la Maze Bank Arena, ou soit on se TP grâce aux activités en bleu sur la map, ok? Donc après une fois arrivé à la Maze Bank Arena, on sélectionne du coup niveau de l'atelier, ok? Donc après une fois spawn dans la Maze Bank Arena, là on va directement vers notre Elegy RH8, ok? Qui est juste ici, vous avez vu. Donc là hop, on monte dans la Elegy RH8. Et une fois monté dedans, on fait la flèche de droite pour modifier votre véhicule. Et là, vous avez vu, boum, mon véhicule est resté sur la place du parking. Et le menu des catégories s'est bien affiché. Vous avez vu. Donc, maintenant, là, on descend, on clique sur vendre. Ok. Donc là, c'est marqué vendre le véhicule à 0 $. Donc là, on clique une fois dessus et c'est marqué voulez-vous vraiment vendre ce véhicule? D'accord. Donc là, on clique une troisième fois et ça sera marqué véhicule vendu. Donc là, vous aurez un écran noir et dès qu'on voit l'écran noir, on rejoint une personne qui est en mode de visée différent de nous. Donc par exemple, dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer. Donc là, on va accepter le premier message et on va refuser le second message et vous allez respawn ici. Donc là, on fait la flèche de droite donc pour modifier votre véhicule, d'accord? Donc là, vous aurez une cinématique buggée, vous avez vu le véhicule reste bloqué et les roues tournent de droite à gauche, ok? Donc là après on va spawn du coup dans l'atelier de customisation et vous avez vu les roues sont buggées. Donc là on clique sur transformation bénie et vous avez vu c'est marqué donc qu'on peut l'acheter à 904 000 $, ok? Donc là on fait le bouton rond pour faire retour. Après on refait le bouton rond pour fermer du coup le menu des catégories. Et on clique sur quitter l'atelier. Donc là, vous aurez un écran noir et vous allez voir du coup en haut à droite. Boum! En gros, on a vendu le véhicule du coup pour 900 000 $. Donc c'est juste énorme. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Go Rush, les 22 300 abonnés, je compte sur vous, la team. En tout cas, moi, je vous laisse sur ces gameplays, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao! You meant